Bonjour à tous. La campagne des municipales 2020 à Morne-à-l'Eau. Aujourd'hui, nous recevons Léonard Gérul de la liste du lien citoyen pour le progrès mornalien, le LCPM. Il nous dira pourquoi il est candidat et surtout ce qu'il propose aux électeurs de cette commune. Question sans détour, spéciale municipale 2020 à Morne-à-l'Eau. C'est tout de suite sur ETV. Bonjour Léonard Gérul. Bonjour Monsieur Fendéré, bonjour à la Guadeloupe et essentiellement aux Mornaliens qui nous écoutent. Soyez le bienvenu sur le plateau de TV. D'abord, présentez-vous, qui est Léonard Gérul, candidat au municipal à Morne-à-l'Eau? Léonard Gérul, c'est le plus jeune candidat effectivement pour Morne-à-l'Eau. Je suis marié, père de deux enfants, fonctionnaire territorial. Donc je suis chef de service au conseil départemental, d'où un atout non négligeable, puisque j'ai la maîtrise de l'organisation administrative des collectivités territoriales. Mmh. Oui, donc vous connaissez le fonctionnement des collectivités, c'est ça? Voilà, je connais le fonctionnement des collectivités, donc je n'aurai aucun souci pour pouvoir gérer cette belle commune de Morne-à-l'Eau, avec bien entendu mon équipe et LCPM. Oui, qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique? Étant jeune, dynamique, proche de la population et responsable, je ne peux plus rester les bras croisés et assister à ce déclin que connaît actuellement ma commune. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit cette population est en souffrance, il faut lui venir en aide. Alors j'ai décidé de chercher des amis pour créer un groupe, un mouvement. Et c'est sans difficulté que j'ai trouvé des jeunes et des seniors également, qui partagent la même vision que moi, c'est-à-dire sortir Morne-à-l'Eau dans cette situation, Morne-à-l'Eau, une commune qui était première commune dans le bassin du Nord-Grande-Terre, et voir que nous rencontrons ces difficultés. Donc je crois maintenant qu'il faut proposer à la population une nouvelle alternative, et surtout avec cette équipe jeune que je présente. Oui, à vous entendre, Morne-à-l'Eau recule. C'est un constat. Morne-à-l'Eau souffre de plusieurs crises. Crise politique, crise administrative, crise sociale, crise culturelle et sportive, et aussi crise économique. Alors, crise politique... Je vous apprends aussi que j'étais adjoint au maire et j'ai dû démissionner après deux ans de mandature. J'ai renoncé à mon poste d'adjoint au maire parce que j'ai senti que les choses n'allaient pas. Comment voulez-vous qu'une commune fonctionne avec cinq maires? Donc tous ils s'entretuent et l'intérêt général est mis de côté. Et moi qui suis venu pour travailler pour ma population, j'étais venu dans l'intérêt général et non pas dans l'intérêt personnel. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai renoncé à ce poste d'adjoint et je suis aujourd'hui le seul candidat de la minorité qui défend vraiment les intérêts de la commune de Morne-à-l'Eau, de sa population. Et au sein de cette majorité, de cette minorité, quand il faut voter pour des actions positives pour cette commune, je le fais. Mais quand il s'agit aussi de défendre sérieusement avec force, je le fais, et ça a été le cas quand la majorité actuelle a pris la décision d'augmenter la taxe d'habitation de 5%, alors que le gouvernement en place est dans une dynamique de régression. Eh bien, j'étais le seul, puisque les autres n'ont pas voulu perdre leur mandat, j'étais le seul à l'époque, je n'avais pas encore d'équipe à côté de moi, mais j'étais le seul pendant au moins trois semaines à distribuer un tract que j'ai signé d'abord, d'ailleurs, pour pouvoir alerter ma population de ce qui venait se passer. Donc, je n'ai pas voulu rester parce que je savais que ça n'allait pas fonctionner et j'ai eu raison. Et aujourd'hui, ils sont tous comptables. Je dis, ils sont tous comptables de la situation de notre commune puisqu'ils se retrouvent. C'est la même majorité. Je suis différent d'eux puisque j'ai l'amour de ma population. Je veux absolument donner une nouvelle alternative à cette commune. Donc vous revendiquez, on a entendu, une certaine différence par rapport aux autres candidats. Quand vous les voyez, les autres, vous vous dites quoi? Il faut que ça change? Il faut que ça change, pourquoi? Parce que ces hommes qui reviennent encore demander à la population leur suffrage, des hommes qui sont là depuis 30 ans, d'accord? Et ils ont eu les possibilités, ils ont eu les moyens
en tant que maire, en tant que premier vice, premier adjoint au maire, en tant que conseiller général, avec des commissions, notamment commission du transport, commission de développement du territoire, au même pareil au niveau du conseil régional, troisième vice-président, commission des travaux publics, avec ces commissions-là, ils pouvaient donner notre image à cette commune, mais non. Il veut la condition qu'il soit maire. Eh bien non, il faut d'abord travailler pour cette population. Parce que la population, quand elle te reconnaîtra, elle voudra faire de toi son premier magistrat. Mais ce n'est pas le cas. Eh bien moi, je suis différent. La population m'a déjà vu à l'œuvre. Eh bien sans moyens, sans subvention, j'arrive à dynamiser cette commune à travers, bien entendu, les activités sportives que je déploie sur le territoire, les rendez-vous en Ousoué, c'est voir des milliers de Monadiens, mais aussi de Guadeloupéens qui participent à ces actions. Et bien demain, si je suis au pouvoir, ben je vais dynamiser cette commune. Mmh. Voilà, si je veux donner plus d'espoir à cette population qui est en souffrance, oui. Sur le poids des impôts, sur l'environnement, non, nous ne méritons pas ça. Oui. Il faut une jeune équipe aujourd'hui pour pouvoir dynamiser cette commune. Oui, quelle politique en matière de sport? Monalo était une commune phare jadis, ça l'est beaucoup moins maintenant. Hein. Ben voilà, donc quand j'ai dit que Monalo souffre de crise sportive et culturelle, et c'est vrai, nous, les associations se meurent, le sport se meurt, eh bien moi, qu'est-ce que je propose? De mettre en place, de conventionner justement avec ces associations, mettre en place une convention d'objectifs pour que nous allons dans le même sens. Chaque partie aura ses responsabilités. Conventionner avec, que ce soit les associations sportives, mais aussi sociales, culturelles, etc., dans une vision bien, bien précise. Peut-être pluriannuelle, certes, il faut plus qu'on dote des associations de subventions, 1 000 euros par-ci, 1 000 euros par-là, mais qui ne répondent pas véritablement aux activités que ces associations déploient sur le territoire. Oui. Léonard Gérul, comment valoriser le potentiel énorme de Monalo? Je le dis tout le temps, il faut que les Monaliens soient fiers de leur commune. Monalo est une commune qui est riche. Nous avons beaucoup de labels sur la plus petite commune pour sa biodiversité et bien d'autres. Je suis fier, je suis content de l'entendre, mais on n'a rien fait finalement. C'est la nature nous a gâtés. Mais moi, Léonard Gérul, en tant que maire entrepreneur, je veux transformer ces labels en véritable action de développement économique du territoire. Je veux faire de l'environnement un atout majeur pour notre développement. Quand les touristes arrivent ici, puisqu'ils veulent découvrir cette belle petite commune pour sa biodiversité, ils veulent découvrir cette commune par rapport au cimetière, le plus beau cimetière du monde, ils veulent connaître où habite la première dauphine de Miss Monde qui est monadienne, mais quand ils arrivent, ils ne laissent rien, même pas un rond. Eh bien moi, quand ils viendront, ils vont entrer dans un circuit touristique qui sera mis en place par un office de tourisme que nous pensons mettre en place. Ils iront visiter le cimetière, visiter aussi les sépultures de nos grands hommes. Ils vont continuer, ils vont visiter les bâtiments et patrimoniaux tels que l'église qui sera réparée. Ensuite, ils iront visiter également nos artisans, nos commerçants. Ils iront aussi voir nos crabes dans la mangrove, dans les palétuviers. Et entre midi et deux, il faudrait qu'ils restent encore sur le territoire pour pouvoir goûter aux saveurs, les différentes saveurs, le crabe en toutes sortes ou sur le bout, mais aussi à Vieux-Bourg, goûter aux fruits de mer de Vieux-Bourg qui sont exceptionnels. Mais on va leur proposer autre chose, des balades sur le canal des retours qui est un site extraordinaire, des activités sur la base nautique de Vieux-Bourg, mais ils auront la possibilité. Donc il y a des choses aussi à faire. De visiter nos îles, profiter des vertus de la boue de Babin. Autant de choses qu'il y a à faire à Monalo, autant de richesses qui ne sont pas exploitées. Mais qu'ont fait ces hommes politiques depuis 30 ans à Monalo? Eh bien oui, moi je suis prêt avec mon équipe de donner une autre alternative à cette commune. Et donc dans cette élection, vous avez votre mot à dire avec votre équipe. Et justement avec quelle équipe?
avec le LCPM, le lien citoyen pour le progrès mornalier, une équipe soudée, une équipe surtout désintéressée. Eux aussi, ils en ont marre. Ils sont exaspérés par le comportement de ces hommes politiques qui ont failli à leur engagement. Aujourd'hui, il faut que cette nouvelle génération prenne Mornalo en main pour donner de l'espoir à cette jeunesse qui est en déshérence. Vous avez entendu parler du drame qui s'est produit à Mornalo. Quand j'ai eu l'occasion de poser, j'étais le seul d'ailleurs, de poser la question au premier magistrat de la commune, quelle est sa politique en faveur de ces jeunes contre la délinquance. Il m'a complètement dit que c'est la compétence de l'État. Mais je lui dis encore, non, le maire, c'est un élu de proximité, doit mettre en place les moyens de prévention contre la délinquance. Nous ne pensons pas tout de suite aller sur la répression. Oui. Non. Justement, qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine ? Eh bien, accompagner les jeunes dans leur insertion. C'est difficile, un accompagnement. C'est pourquoi nous avons prévu de mettre en place des médiateurs de rue qui iront. Je n'ai aucune difficulté pour pouvoir rencontrer ces jeunes. Et croyez-moi, ce sont des jeunes intelligents. D'accord ? Je n'ai aucune difficulté à les rencontrer. C'est la raison pour laquelle on mettra en place des médiateurs de rue pour aller à la rencontre de ces jeunes et pour les accompagner jusqu'au bout. Je leur dis tout le temps dans mes conférences, n'attendez pas de moi de vous donner 20 euros, de vous proposer un contrat de 2 mois, 4 mois. Non, je suis jeune, je sais la difficulté. Donc je veux les accompagner dans la durée de manière à ce qu'ils soient les garants et acteurs de leur avenir. Voilà, c'est ce que je veux faire pour ma jeunesse. Vous avez revendiqué durant cet entretien votre différence par rapport aux autres candidats, ça veut dire qu'en cas de deuxième tour, personne ne devra compter sur vous. Là. Je fais confiance à la population qui m'a déjà vu à l'œuvre. Ma différence, c'est parce que je suis un homme de proximité. D'accord ? Je suis partout sur le territoire et la population me comprend. La population est prête à changer la donne et de me confier cette responsabilité-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle je lui demande dès le premier tour de voter en masse, de manière à ce que je n'ai pas à aller et consulter les autres, puisque moi j'ai une vision que je veux partager avec cette population. Je l'ai dit, je suis venu pour servir ma population et non pas pour me servir, puisque les autres, ils ne pensent qu'à leur intérêt personnel ou aux intérêts des partis. C'est la raison pour laquelle je suis seul, je suis avec ma population. Ouais, je ne suis pas de parti. Vous n'avez pas de parti. Non. Ça ne sert à rien. Ah bon ? Donc, oui, puisque on écarte quand il y a les grandes décisions à prendre, on oublie l'intérêt de la population. Remarquez, après le décès de Felon Bion, eh bien, la population avait décidé que c'est une équipe avec 58,27% qui devait être à la tête de ces affaires. Et bien, après la mort, ils ont trahi non seulement la volonté de Felon Bion qui voulait qu'on garde l'union, mais ils ont aussi trahi la volonté populaire. 58%, non, pas parce que la population ne devait pas se prononcer, puisque l'élection s'est produite à l'intérieur de la mairie, mais il fallait quand même respecter cette population. C'est pourquoi tous ces gens-là seront sanctionnés, puisqu'ils ne forment qu'un seul groupe. Ils sont tous dans la majorité. Et quand je dis que je suis seul, je suis différent, eh bien ça, je me suis mis du côté de la population. Merci, Léonard Géroul, d'avoir été notre invité, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir accueilli et je demande à la population de me faire confiance. Je suis prêt, je suis engagé, vous ne serez pas déçus. Votez Léonard Géroul. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour, spécial municipal 2020 revient très vite sur les antennes de TV, votre chaîne locale.